doucement, en klaxonnant. Appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant, pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Bonjour petit chien. Regarde, une belle pomme bien mûre a roulé jusqu'à toi. Je me demande d'où elle vient. Est-ce que tu suis l'odeur des pommes? Il y en a une autre. Regarde toutes ces pommes. Les fruits sont mûrs maintenant. Il est temps de tout cueillir. C'est une orange. Oh, l'orange est tombée sur la tête du petit chien. Il a une bosse. L'ambulance sort du garage des véhicules d'assistance. Où est notre patient? Il est là. Nous devons appliquer de la pommade sur la bosse. Ouvrons la trousse de secours. Maintenant, appliquons soigneusement de la pommade sur ta patte et sur ta tête. Voilà. Merci, ambulance. Pour qu'un fruit ne tombe pas sur la tête de quelqu'un d'autre... Oh, attention! Exact, nous devons tout cueillir. Le petit chien s'est enfui dans le garage. Les véhicules d'assistance, s'il vous plaît, aidez-nous à ramasser les fruits. Il y a beaucoup de véhicules d'assistance. Il y a une pelleteuse avec un grappin, une chargeuse et trois tracteurs de couleurs différentes avec des remords. Un jaune, un orange et un rouge. Ils sont tous en route pour la récolte. Nous allons mettre les fruits dans ces caisses. La pelleteuse secoue le pommier et les pommes tombent au sol. La chargeuse ramasse les fruits dans son godet. Une caisse pleine de pommes. Deux caisses. Trois caisses. Tout est bien rangé. Maintenant, il faut cueillir les oranges. La première caisse. Et la deuxième. Les poires. La pelleteuse fait un travail formidable avec son grappin. Il en reste une sur l'arbre. Nous avons cueilli tous les fruits. Il est maintenant temps de les emmener au magasin. Le tracteur rouge va prendre les pommes rouges. Les oranges vont dans la remorque du tracteur orange. Et les poires vont dans celle du tracteur jaune. Les véhicules d'assistance ont fait un excellent travail. Merci. Le petit chien va rentrer chez lui pour se reposer dans sa niche. C'est l'heure de se coucher. Les véhicules d'assistance vont se reposer dans leur garage.
Un nouveau travail les attend demain. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. La voiture violette numéro 6 est lancée sur la route. Oh mon Dieu! C'est une branche d'arbre. Fais attention! Regarde, l'arbre grandit. Et maintenant, la branche bloque la route. Je me demande si la voiture jaune peut passer. Non, elle ne peut pas. La branche est en plein milieu du chemin. Et maintenant? Oh! La petite voiture a sauté par-dessus la branche. Mais la branche est toujours en travers du chemin. Qui peut aider? Les véhicules d'assistance! Les véhicules d'assistance sortent de leur garage. Nous avons besoin de ton aide! Un arbre bloque la route. Personne ne peut passer. Maintenant, il y a un embouteillage. Nous devons enlever l'arbre de toute urgence. Le grenier, avec sa griffe puissante, essaie de déplacer la branche. Ça ne marche pas. Là. Le chariot élévateur a apporté une tronçonneuse. Il commence à scier très prudemment, petit à petit. D'abord ici. Puis cette branche. Et la dernière partie. C'est parfait! Maintenant, le grumier enlève toutes les branches coupées et les voitures peuvent toutes passer. Les véhicules d'assistance ont décidé que le grand arbre ne devait pas pousser au bord de la route. Ils doivent le déterrer et le planter ailleurs. La pelleteuse déplace la terre avec sa grande pelle. Ils doivent creuser tout le sol autour de l'arbre pour ne pas endommager les racines. Encore un peu. Le grumier saisit le tronc avec sa griffe et arrache l'arbre du sol. Ils vont planter l'arbre dans le parc, juste ici. La pelleteuse finit de creuser le trou pour l'arbre.
voilà, c'est fait. Le camion-citerne a apporté de l'eau. S'ils veulent que l'arbre pousse bien à son nouvel emplacement, ils doivent lui donner un coup de main. Quel beau cadeau pour le parc! Merci les véhicules d'assistance! En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Le chiot dort dans sa niche. Oh, il a flairé quelque chose. Le chiot essaie de comprendre l'odeur. Les chiens ont un très bon sens de l'odorat. Il sent la fumée. Il y a un feu quelque part. Véhicule d'assistance, nous avons besoin de votre aide. Trouvez ce qui a pris feu. Le bulldozer et la voiture de police quittent le garage. Ils vont chercher le feu. Petit chien, tu devrais appeler le camion de pompiers maintenant. Ah, la porte ne s'ouvre pas. Va chercher de l'huile de moteur à l'atelier de réparation. C'est là que se trouve le feu. La forêt est en train de brûler. La voiture de police a un extincteur. Il n'y a pas assez de mousse pour éteindre le feu dans les arbres. Bulldozer, creuse un fossé pour que les autres arbres ne prennent pas feu. Ils seront coupés avec une barrière de protection. Le chiot est arrivé à l'atelier de réparation. Il a trouvé de l'huile de moteur. Il peut mettre de l'huile sur la porte du garage et elle devrait s'ouvrir. Camion de pompier, recule légèrement de la porte. On verse un peu d'huile. C'est prêt. Hurrah ! Le camion de pompier allume ses feux de détresse et ses sirènes. Il va éteindre le feu. Le camion de pompier est arrivé très rapidement. Il allume l'eau. Cela fonctionne. Le feu a été éteint. Tout le monde est très heureux. Maintenant, les véhicules peuvent retourner au garage. Merci, véhicules d'assistance. Ces véhicules ont toujours beaucoup de travail.
Je me demande qui ils vont aider la prochaine fois. À bientôt, les véhicules d'assistance. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Un transporteur de voitures s'est rendu au garage. Je me demande ce qu'il va faire. Ce sont des voitures de course colorées. Chacune d'entre elles a son propre numéro. 1, 2, 3, 4, 5. Les voitures montent sur le transporteur une par une. La plateforme se lève. Maintenant, elles peuvent partir. Le transporteur chargé des voitures est en train de rouler sur la route. Regarde, un camion de pompiers roule très vite. Il y a un feu quelque part. Attention! Oh non! Les voitures sont tombées! Qui va les aider? Un véhicule sort du grand garage. C'est un camion-grue. Il a un aimant sur le bras. Avec cet aimant, il peut ramasser les voitures et les remettre sur le transporteur. Le camion-grue est arrivé pour aider les voitures. L'aimant descend et remonte. La voiture jaune est à sa place. Le camion grue a remis la voiture violette à sa place, puis la voiture bleue. Tout est prêt. Ils peuvent reprendre la route. Merci camion grue. Un circuit de course. C'est là que va le transporteur de voitures. Maintenant, les petites voitures vont faire la course. La plateforme s'abaisse. Les voitures, c'est parti! À vos marques, prêts, partez! Les voitures tournent dans le virage, montent sur la rampe jaune. Elles sautent. Encore des obstacles. Une autre rampe. Oh, oh, la voiture rouge a perdu une roue. Les véhicules d'assistance sortent du garage. Une pelleteuse avec une pince et une dépanneuse. La dépanneuse baisse son crochet. Elle accroche la voiture avec précaution. La pelleteuse ramasse la roue. Elle la répare. Et voilà,
tu peux reprendre la route maintenant. Merci. La voiture rouge se dépêche d'atteindre la ligne d'arrivée. Oui, la petite voiture a elle aussi terminé la course. Tout le monde est très content pour la petite voiture. Il est maintenant temps pour les voitures de remonter sur le transporteur et de retourner au garage. Au revoir! À bientôt les véhicules d'assistance!